En fait, là, il y a plein de mini-jeux, il y a plein de trucs qu'on peut faire. On va essayer plein de trucs. Tu peux faire un saut en parachute un jour? Ouais, ça, c'est dans mes objectifs, là. Je vais faire une vidéo saut en parachute. Là, on doit créer notre iPhone, le meilleur iPhone. Plus il y a des appareils photo sur l'iPhone, plus l'iPhone, il va coûter cher. Ok. On a juste besoin de ça, en fait, il coûte cher, l'iPhone. On va mettre le son sur le téléphone. Le volume, c'est à droite ou à gauche? Putain, je m'en rappelle même plus, c'est où? Il est où, mon téléphone? Là, c'est pour éteindre le téléphone. Power button. Voilà. Là, on va faire pareil, comme ça, les clients, ils se perdent pas. On va mettre les boutons aux mêmes endroits. Voilà. On va mettre le logo Apple au milieu. Je vous jure, j'ai l'impression que je travaille chez Apple là. Mais comme là on a l'iPhone 17, on va mettre un deuxième appareil photo. Celui-là on va le décaler. On peut pas le décaler? Non, celui-là on le supprime. On peut même changer la couleur. Gold, voilà, en or. Parce que nous, notre iPhone, il va coûter 15 000 €. On est là pour faire du bénéf. Là, on est en train de faire l'iPhone du roi d'Arabie Saoudite. Mais pourquoi il y a Android? Ça, on retire ça. Ça, c'est pour le chargeur. Ok. 25 000 €. Ok. On va mettre une deuxième. Voilà, là il y a la place. Oh, c'est quoi tous ces trucs? Genre là, on peut faire un téléphone qui vole. C'est quoi ce téléphone? Vous allez me dire pour combien vous êtes prêt à l'acheter. Tellement le téléphone il coûte cher, on a changé le logo. On a mis une poire. Parce qu'une poire, ça coûte plus cher qu'une pomme. Non, ça fait trop faux. Je vous jure, là, on dirait le téléphone il vient d'AliExpress. On est obligé de garder la pomme. On va garder la pomme, ouais, ouais, ouais. Là, il commence à avoir du flow. Là, on va rajouter ça. Là, il est posé comme ça. En vrai de vrai, il a du flow là, notre iPhone, non? Attends, ça, c'est le bouton de devant. Bah non, c'était à l'ancienne les boutons devant. Maintenant, c'est pourri ça. Non, on retire. Est-ce que le logo, on peut changer de couleur au logo? Je vous jure que moi, je trouve il a du flow en noir. Mettre les deux caméras de la même couleur. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà, tac. Ça, le truc qui tient, on va le mettre en or parce que on va le vendre au prince d'Arabie Saoudite. Eh, les Saoudiens, j'ai l'impression, ils kiffent l'or. Tu leur donnes n'importe quoi en or, ils l'achètent. Ils ont des toilettes en or là-bas, c'est une dinguerie. Mais là, normalement, notre iPhone, il est bien, non? Oh, on peut changer ça aussi. On peut enregistrer à fond d'écran. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent nous l'acheter ou pas? Présente. Attendez, là on a fait tout ça. On a rajouté de l'or de partout pour qu'ils nous l'achètent à 1 300 $. Pas d'accord. Eh, je suis dégoûté, les frères. La vérité, je suis dégoûté. J'ai des pierres. Faut faire quoi avec les pierres là? Genre, faut faire une montagne de pierres. C'est-à-dire, là, l'objectif, c'est faut les mettre une par une. C'est un jeu, faut tryhard. Faut trouver la pierre qu'on va mettre tout en bas. Celle-là, on va la mettre comme ça. Voilà. On va la mettre comme ça. C'est sûr qu'elle va pas bouger. Ensuite, on va monter cette pierre tout doucement. Voilà, tu vas venir là. Ok, mais wesh, on va le speedrun le jeu. Mais pourquoi il est sur le côté? Faut le tenir bien, bien debout. Comment on va faire? C'est impossible. Ça glisse, ça glisse. Oh, oh, oh! Non, 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 non. Allez, voilà, là ça bouge plus. Je suis trop fort. Mais je l'ai fait du premier coup. Là je parle plus, là je tryhard. Allez. C'est impossible. Paris 50 €, tu fais tomber. Bah vas-y, je vais te montrer que je suis bon à quelque chose dans la vie. Et la persévérance, c'est mon domaine. Ça se voit, c'est un truc impossible, j'ai fait exprès pour qu'on reste des heures sur ce jeu. Voilà, là, ça bouge pas. Le dernier, il va être vraiment chaud. On arrête de respirer. Je crois vraiment que les gens, ils vont kiffer ces vidéos-là. Non, mais vas-y, c'est trop dur. Oh, oh, oh. Non, mais vas-y, c'est impossible en fait. C'est impossible, c'est impossible. Bon, on n'arrive pas. Encore un jeu qu'on n'a pas réussi. C'est pas grave. Ah, là, faut deviner les prix. En fait, il y a des objets et faut deviner le prix exact. Là, c'est le bureau présidentiel. Jean Prouvé, vers 1950. Ok, à combien il a acheté ce bureau présidentiel? Pour moi, c'est un faux bureau parce que les bureaux présidentiels, ils sont faits en or. Regardez ce bureau là, on dirait qu'on est dans une entreprise à la défense. Pour moi, ça coûte 25 €. 392 000. Mais oui, c'est un truc de pré... Mais je suis bug ou quoi? Je vais me dire que c'était un truc de président. 15 000, 150 000. Vas-y, la prochaine, ça y est, je sais c'est quoi. À combien ce tableau, il a été vendu? Il est vraiment moche. Hein. Moi, j'aurais pas mis plus de... J'aurais pas mis d'argent du tout dessus. Imaginez, vous avez ça dans votre salon, les gens. Moi, je dis, il y a quand même des fous dans la terre. Ça doit être à 450 000. Oh non. Celui-là, il est beau gosse. Non, celui-là, il a du flow, on va pas se mentir. Celui-là, il est plus cher que l'autre. Je vais mettre 850 000. Ah bah non. Voilà. Comme par hasard, quand on met plus, c'est moins. Pour moi, là, ça, c'est 300 €. 4 millions. 4 millions pour ça. Et ça, ça, je vous jure que pour moi, là, ça, tu me le vends à 10 €, je sais même pas quoi en faire. Genre, là, ça, vous allez me dire que ça, ça vaut je sais pas combien. Ouais, mais c'est de là. On va mettre 500 000. Allez, vendu à Dugé. 26 millions. Qui achète ça? 26 millions. Vous savez, je fais quoi avec 26 millions? J'achète la tour Eiffel avec 26 millions. Et ils sont là avec 26 millions. Ils achètent des poissons en métal, frère. C'est quoi cette dinguerie là? Ça, c'est quoi? C'est un miroir coupé. Moi, pour moi, frère, un miroir coupé, j'achète pas cher. Hein. Je vais dire 80 000. Impossible, les gens, ils achètent un miroir coupé à plus de 80 000. Oh! Oh, j'étais pas loin. Oh, Pelé. Pelé, ça, ça coûte cher. Non, Pelé. Juste parce qu'ils aiment pas le foot, ça va pas coûter plus d'un million. Regardez. Oh, je vous jure, j'étais presque. J'ai mis 800 000. Eh, j'étais à 50 000 presque, frère. C'est une dinguerie. Carte de bébé. Oh, en gros, là, en direct, là, dès qu'il y a un bébé qui naît, il y a une lumière qui s'allume. Eh, regardez l'Inde comment ça clignote. Elle, regardez la surpopulation en Inde. Elle clignote toutes les secondes. Toutes les secondes, il y a un bébé qui naît en Inde. Regardez la France. Il y a rien qui clignote en France. En Inde, il y a un bébé toutes les secondes. Mais vous les mettez où, frère, les bébés?
Oh, enfin, il y a eu un bébé en France. Enfin, félicitations à la personne qui vient d'avoir son bébé en France. Toutes mes félicitations. Jusqu'à demain, il n'y a plus de bébé en France. En attendant, regardez-moi ce limbe. Non, c'est une dinguerie. Je vous jure, je suis prêt à rester comme ça. En Espagne, il y a zéro bébé. En Angleterre aussi. Genre là, il n'y a que l'Inde qui clignote. Attendez, venez, on regarde le moment où il y aura un bébé en Espagne. Je crois qu'en Espagne, ça fait 28 ans, ils n'ont pas eu de bébé. Ok, un deuxième en France. En Italie, je crois en Espagne, il n'y a pas de bébé. Hein. Les gens, ils ont tous 40 ans là-bas. Genre, il n'y a que des gens qui déménagent en Espagne, mais il n'y a pas de bébé en Espagne. Dessinez le logo McDonald's. On doit deviner, genre, les logos. McDonald's, c'est facile. Hein. Je vois pas la différence. Là, franchement, c'est le même logo. Le logo Nike. Vous allez péter un plomb sur la précision de ma souris. Oh, là, il y a un début. Là, il est beau gosse, mon logo Nike. Révélé. Ouais, le mien, il est un peu plus gros, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Logo Apple. Il est beau gosse, mon logo Apple. Là, ça se voit, là. Attendez, on va voir le vrai. Mais là, c'est les mêmes, là. GG, merci beaucoup, frère. Il est incroyable, mon logo Apple. Logo Starbucks. Starbucks, c'est trop facile. Une dame avec une couronne. Hop. Après, elle a des bras qui font comme ça. Regardez. C'est une dinguerie. Je devrais devenir designer, en fait. Vous allez voir à quel point j'ai un don, en fait, dans ça. Je dois faire des logos. Voilà. Hop. Parce que je sais que c'est un rond. Elle a des trucs bizarres après. Et hop. Et en bas, il y a écrit Starbucks. Starbucks. Voilà. Ouais, après, c'est normal aussi, ma souris, elle était plus grosse, c'est pour ça que j'ai pas pu aller dans les détails, mais c'est à peu près la même chose, on est d'accord. C'est un bateau, pas un logo de Starbucks. Et bah, là, vous voyez un bateau, là. C'est que vous devez mettre des lunettes, hein. Faut vite aller consulter. Logo Amazon. Quoi il ressemble? C'est un carton, on va faire un carton, avec un sourire. Voilà. Ça, c'est le logo Amazon. Ah, ça ressemble à ça. Ben voilà, déjà, il y a eu le sourire. Ça va. Je vous jure, j'ai vraiment cru qu'il y avait un carton dans le logo Amazon. Le logo Pepsi, il est facile. C'est comme si c'était le Ying et le Yong. Voilà, on va effacer ce côté. Comment il était? Attends, mais je crois qu'il y a du blanc au milieu. Comme ça. Voilà. Hop. Je crois qu'il est comme ça, le logo. On va colorier l'intérieur en rouge. Voilà. Tu dead ça. Mais je sais que je dead ça. Je vous ai dit que j'ai des dons dans le graphisme. Vous voulez pas me croire? Là, ceux qui me disent que c'est claqué, c'est juste des jaloux, en fait. Ah non, c'était à l'envers. Ouais, mais là, si on retourne l'image, c'est la même chose. On est d'accord. C'est juste les couleurs. Je me suis trompé, mais c'est la même chose. Là, tu montres ça directement à n'importe qui. Va dire, mais c'est Pepsi, ça. Le logo... Twitter. Twitter, c'est facile. C'est un oiseau. Voilà. Non, là, j'ai fait n'importe quoi. On recommence. Voilà. Là, c'est un vrai oiseau. On met la pique. Est-ce qu'il a une aile? Ouais, il a une aile, je crois, le logo. Je crois qu'il est comme ça, le logo. Est-ce qu'il a des pattes, le logo Twitter? Non, il a pas de pattes. C'est X. Ouais, mais là, on m'a demandé le logo Twitter. On m'a pas demandé le logo X. Je crois qu'il a un œil. Je crois qu'il est comme ça, le logo, non? Ah, il ouvre la bouche. Ouais, non. Non. Là, j'ai fait un canard, là. Là, je me suis trompé. Logo Snap. Je passe toute ma journée sur Snap, là. Encore heureux que je connaisse. Attendez, on va recommencer. Allez, on recommence. Voilà. Je suis en train de retenir mon souffle pour pas déborder sur mon coloriage. Ça commence à être bien. On va faire deux petits yeux et une bouche. Mon fantôme, il est en train de faire un dab. C'est une dinguerie, le dab, il est en train de le faire. Là, c'est un mec avec des cornes. Mais non, c'est un fantôme, c'est juste là, il danse, là. Là, c'est le logo Snap qui est en train de danser. NASA, la NASA, je sais plus comment la faire. Je crois qu'il y a un rond, il y a écrit NASA au milieu. Je crois, si de souvenir, c'est un rond tout bleu avec des étoiles. Il y a écrit NASA en blanc et il y a une barre rouge qui passe au milieu, je crois. J'espère que je vais bien le faire. NASA, ok. Des étoiles sur les trucs, parce que je me rappelle, il y a des étoiles. Et un truc en rouge comme ça qui passe. Eh, je vous jure, je crois que c'est ça. Oh là là. Dites la vérité, les gens, je l'ai pas bien fait, là. Jurez maintenant. De mémoire, qui aurait fait mieux que moi? Ah non, mais... Mais oui, c'est impossible, regardez. Il y a une barre qui passe devant, une barre qui passe derrière. Comment j'aurais pu deviner ça? Mais regardez, il y a les étoiles, NASA en blanc, un rond... Je suis trop fort. Google. Oh non, Google, c'est trop dur. Google, je me rappelle plus des lettres. On va mettre le G en rouge, le O en jaune. Eh, je vous jure, là, si j'ai mis les bonnes couleurs au bon endroit, c'est une dinguerie. Hein. Goût, je crois, c'est comme ça. G, L, on va mettre un rouge à la dernière. Non, je pense, je me suis trompé sur deux lettres. Oh! Oh non, j'ai cru que j'avais fait la même chose. Il n'y a aucune lettre qui est au bon endroit à part le E. Bah oui, c'est pas possible. J'ai jamais retenu, moi, les couleurs. Logo Android. Android, c'est facile. Vous allez voir. Ça, c'est la tête d'Android. On est d'accord. Il y a deux barres qui montent. On va faire les yeux d'Android. Hop. On fait les deux pieds, les deux mains. Et là, je crois qu'il faut juste colorer. Hein. On dirait une poubelle. Je suis en train de massacrer leur marque, là. J'étais presque, hein. Je vous jure, là, j'étais presque, les gens. Là, vous êtes de mauvaise foi si vous me dites que le logo, là, il est nul. Là, fallait juste qu'il baisse les bras. Regardez, c'est la même chose. Il y a tout qui ressemble. Il est bien fait. Merci beaucoup, Pingouin qui aime Fall Guys. Logo Spotify. Spotify, c'est comme ça. Non, oh non. Regardez-moi cette barre, comme elle est grosse. Je peux même pas la corriger. Bah, là, j'ai perdu, là. Là, c'est sûr que vous allez rigoler sur moi. Là, il est pas ouf, mais c'est pas grave. Zéro ressemblance. Mais c'est normal.
Ah ouais, c'est vrai que là, il y a zéro ressemblance. On dirait juste un truc de Wi-Fi, là. On dirait juste quand je vérifie que j'ai de la Wi-Fi sur mon téléphone. J'avais oublié, moi, qu'il y avait un rond. Astéroïde. On peut jeter des astéroïdes. On va exploser Paris. On va gâcher les JO. Non, je rigole. Mais si on lance une météorite là. Cliquez sur l'emplacement. Voilà, on jette une météorite ici, ça va faire quoi? Quoi? Il y a toute l'île de France, là, qui est morte. C'est une dinguerie, hein.